m'a paru que le schéma de la distinction des fonctions entre président du conseil d'administration et directeur général était le schéma qui correspondait le mieux à la fois aux exigences de la directive Solvabilité 2 et à cette dimension et à cette volonté interne d'expression de la confiance. Nous avons eu une assemblée générale extraordinaire le 6 février et nos élus, dans leur très grande majorité, se sont prononcés pour ce schéma par l'adoption d'un certain nombre de résolutions portant modification de nos statuts. Donc nous avons désormais un nouveau schéma de gouvernance. Je suis président du conseil d'administration, Pascal Demurger est directeur général. Notre conseil d'administration voit, de par Solvabilité 2, mais aussi par ce nouveau schéma de gouvernance, finalement ses responsabilités renforcées dans le suivi, dans le contrôle de l'activité.